Seigneur soit loué. Vous savez, c'est toujours une joie que de célébrer le Seigneur. C'est la promesse que j'ai faite à Elohim. Moi, mon défunt papa est décédé à cause de l'hémiplégie, ce qu'on appelle accident cardiovasculaire, donc l'AVC. Et je peux vous dire que mon père, quand il prenait le micro, le gymnase au mini-sport bougeait. Et pour avoir aimé mon père et avoir servi le Seigneur avec lui, quand je l'ai vu couché, plus de paroles, paralysé, j'avais compris que la vie n'était rien. Voici pourquoi, toutes les fois que j'ai la possibilité de prendre le micro, je vous assure, je célébrerai le nom du Seigneur. Lorsque nous autres, nous étions dans les chorales, on nous appelait auto-reverse, parce que je peux prendre le micro du matin jusqu'au soir, je vais chanter. C'est l'une des choses que le Seigneur m'a accordé. Voici pourquoi toi ce matin, qui as tes membres supérieurs, inférieurs, en bon état, profites-en. Parce que le jour où le Seigneur va décider, parce qu'il fait ce qu'il veut, tu n'auras plus l'occasion. Arrêtons de venir accompagner, d'être spectateur, mais participons à tout ce que le Seigneur fait. Alléluia. Ce n'était qu'un conseil. Donc l'association Le Grain de Blé, déjà désolé, bonjour tout le monde. L'association Le Grain de Blé, en fait, c'est une association que le Seigneur a permis qu'elle soit mise en place en 2012. Il faut dire que depuis 2009, au niveau du pays, il y avait beaucoup de mélanges et les autorités avaient suggéré qu'il y ait des fédérations, donc l'écuménisme ou encore ce qu'ils appellent le concert interreligieux. Et nous étions dans une situation embarrassante avec les frères et on avait reçu cette année plusieurs missionnaires. Et un nous avait beaucoup encouragé. Et c'est comme si, en venant ici, le Seigneur avait demandé aux frères de venir avec des textes. Donc, au cours de son voyage, il était venu avec des textes de l'ANJC et nous avait partagé le projet. Et avec un groupe des frères, en écoutant, on avait saisi en fait l'occasion. On avait dit, mais c'est vrai, on peut aussi travailler comme les frères ailleurs. Alors, mettons en place l'association, nous nous sommes retrouvés hein, au nombre de 12. Il y a des frères qui sont là, les Wilimbaka, tout ça autrefois, plusieurs. Et nous avons commencé à écrire des textes, adapter ça au contexte de notre pays. Et je me souviens que pour trouver le nom, il y avait deux noms au départ. Ecce Homo, qui signifie « voici l'homme », et « le grain de blé ». Et tous, de manière unanime, nous avons choisi le grain de blé au travers de cette parole qui dit que si le grain de blé ne tombe et ne meurt, vous comprenez que c'est lui qui fait pousser. Et nous sommes semblables au grain de blé. Amen. Nous avons vu plusieurs dans l'œuvre qui se sont mariés, qui ont pu avoir le travail, qui n'avaient pas de travail, qui n'étaient pas mariés. Et c'est ça l'accomplissement de cette parole-là. Et nous avons retenu le nom grain de blé. Et nous avons déposé le statut et le règlement intérieur au niveau du ministère de l'Intérieur. Et nous avons obtenu le récépissé provisoire autour de novembre 2012 de la même année. Et nous avons commencé à œuvrer. Il faut dire que dans le cadre des œuvres que nous avons eues à faire ou à poser. Au départ, c'était la construction d'une maison et même d'un studio, je crois, qui a été arraché après. Mais les frères pourront bien donner des précisions dessus. Je vais plus m'attarder sur la maison qu'on a eu à construire aux sœurs à Edena, à Wenge. Et je vous assure que je n'avais jamais vu cela. Je crois en une semaine. En ce temps, on avait pu regrouper une somme de près de 4 millions. Je me souviens avec un aîné, quand on allait prendre à Barracuda,
les godets de sable et autres, des camions. Vraiment, c'était formidable. Et hormis cette œuvre-là, il faut d'abord dire au départ que l'association Le Grain de Blé est une association chrétienne, à politique et à but non lucratif. C'est très important de signifier cela, de le dire à haute voix, que nous sommes une association à politique et à but non lucratif. Nous ne faisons pas de la politique, nous ne soutenons aucun candidat, sinon le candidat international, national, terrestre, céleste, Yeshua Mashiach, élu depuis la fondation du monde. Il n'a pas besoin d'élection, frère. Son trône subsiste à jamais. Donc nous faisons la propagande d'Elohim, notre chéri d'amour, alléluia, qui a séduit nos cœurs et qui ne cesse de nous séduire. Amen. Donc nous faisons vraiment la promotion et la propagande d'Elohim. Et là, au travers de l'association Le Grain de Blé, on a pu mettre plusieurs œuvres en place. Il y a l'accompagnement scolaire et nous bénissons le Seigneur parce que nous voyons des frères aujourd'hui professeurs, des frères médecins, des frères infirmiers d'État. En tout cas, nous voyons le fruit. Amen. Et Le Grain de Blé aussi soutient certaines visions, même pas certaines, on va dire toutes les visions. Alléluia. Voici pourquoi vous pouvez voir Grain de Blé US. Nous soutenons les frères et sœurs qui sont en médecine, donc qui sont dans le domaine de la santé, de El Jireh. Nous soutenons les frères et sœurs qui font un langage de signes, les veuves. Et nous sommes aussi en soutien à d'autres visions. Certes, ils ont introduit aussi des démons, ils ont des visiteurs provisoires, mais nous travaillons en partenariat. Alléluia. Et même au niveau de l'extérieur. Et grâce aux documents de Grain de Blé, nous avons la possibilité de travailler dans la transparence et dans la légalité. Alléluia. Et le projet de la construction de notre centre hospitalier de Colassi est soutenu par l'association Le Grain de Blé. Alléluia. Parce qu'il faut dire que depuis 2012, dès qu'Elohim nous a donné cette possibilité, tous les grands programmes que vous voyez, notre première sortie en février 2015 à Ouloumi, en août 2015 au Gros Bouquet, en septembre 2015 à Lambaréné. Des fois, ça fait longtemps, bientôt 10 ans, Lambaréné. Il faut encore qu'on fasse une descente. Bref, toutes les croisades que vous voyez à Sogato, partout, c'est couvert par l'association Le Grain de Blé. Du moins, c'est sous la bannière. Alléluia. Parce que le Seigneur est bon et nous avons eu en 2020 le récépissé définitif. Il faut dire que de 2012 à 2020, nous avons un peu piétiné. Et nous avons relancé à partir de 2018-2019. Nous avons été auditionnés. Et le Seigneur, dans son amour, a permis que en juillet 2020, nous ayons le récépissé définitif. C'est-à-dire que c'est le papier qui nous permet tout simplement de faire tout ce que nous voulons. Amen. Et dans le statut et le règlement intérieur de l'association Les Grains de Blé, nous avons tout mis de manière à ce que toutes les œuvres que nous aurons à faire soit vraiment déjà cité. Voici pourquoi nous n'avons pas peur, même quand le Seigneur nous mettra, nous donnera les moyens peut-être pour mettre en place des universités, c'est déjà mis l'accompagnement scolaire. En tout cas, tout est précisé à l'intérieur. Et depuis 2000, je crois, on a inséré la formation professionnelle dans les 2016-17. Les frères pourront peut-être compléter. Donc aujourd'hui, on forme aussi les frères en informatique, en bureautique particulièrement, et dans la saisie, le traitement de texte. Et nous bénissons le Seigneur pour l'école de Siban, juste en face du CNRS, là, laboratorium, qui nous ouvre généralement les portes pour encadrer les frères et sœurs, et même ceux-là qui n'ont pas le Seigneur, mais que nous profitons de la formation afin de parler
Parce que vous savez, le Seigneur aussi, c'est ça. Il nous permet comme ça de pouvoir aussi, c'est lui qui attire, donc parler de lui, témoigner de lui auprès des personnes même qui ne l'ont pas encore rencontré. Et nous voulons bénir le Seigneur. Voici un peu de manière succincte ce qu'on a eu à faire, mais il y a beaucoup, je crois, il y a eu la construction aussi de la maison de la veuve au niveau de Mindoubé. Ça, maman, je ne sais pas si elle aura, maman Odile pourra peut-être dire quelque chose dessus, mais vraiment d'accompagner. En 2021, sinon 2022, nous avons reçu une enveloppe de 1 500 000. C'était un don à l'endroit des frères et nous avons accompagné les frères en mettre en place des petites activités. Nous avons accompagné un frère à faire son permis. Et nous bénissons le Seigneur parce que le frère aujourd'hui a le permis conduit. Et nous croyons que c'est grâce à ce permis aujourd'hui qu'il a la possibilité. Il a un emploi en MO. Et c'est ça le Seigneur. Donc nous avons soutenu des sœurs dans le commerce, dans pas mal de choses. Donc voici un peu, sauf s'il y aura des questions après, d'autres vont compléter. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Merci mon frère Ido.